Bonjour, voilà, je viens de brancher là mon groupe là, pour les expéditions, des trucs comme ça. Et là, je vais pouvoir faire des tests avec avant d'attaquer le QSO là, de ce soir là, sur le canal 27. Alors, malgré qu'ils sont enfermés, il est bien ventilé là. Voilà, là je me mets exprès du côté pour l'échappement pour que vous voyez un peu ce que ça donne au niveau bruit. Voilà, alors le petit truc à savoir, c'est que au niveau prise, le standard n'est pas le même que les prises de 120. Donc là, faut faire voilà, je me suis fait un petit raccord, on est à tout fin. Là qui devrait faire l'affaire. Bon là je dois être à peu près à 2 mètres. Bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne là sur la station. Permettre là de mon alimentation marche quand il en a envie, mais bon c'est pas grave. Ce que je veux voir, c'est est-ce que ça clignote. Hein, alors j'attends un petit blanc. Break pour le Sud-Ouest France. Alors là, je suis en économique, là, au niveau du groupe. Donc, puissance minimum. J'ai rien vu bouger. Ah, je suis grillé. Les 73, Gilles, comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien, là, de ton côté? Car je suis en train de faire quelques petits tests. Ok, ben voilà, là je suis en train de faire des tests. Voilà, je sais pas si tu as vu sur Facebook, mais là je me suis acheté un petit groupe électrogène pour les expéditions, là, pour tout ça. Et là je suis en train de le tester, là j'ai branché ma station pour l'expédition dessus. Et là, au niveau du groupe, là je suis en puissance minimum. J'ai rien qui bouge. Pourtant, je suis au niveau de la station en puissance maximum, contrairement au groupe. Et bien, tout va bien de mon côté. Il y a rien qui clignote. Ça fait pas warning du tout. Tout marche bien. Tout est QRO. Et bien, c'est génial, ça. Ce soir, je vais pouvoir faire le QSO du canal 27 en mobile depuis le haut là, d'une colline là du côté là par chez moi. Quoi. Ouais, je le devine là derrière, là, noyé dans les QRM. Mais
bon, les bandes 73-51, toi, j'espère que tu vas bien de ton côté. Apparemment, tu as du mal à m'entendre aussi. Bon, je vais passer le groupe en position pleine puissance pour voir si ça change quelque chose. Je suis pas sûr parce que là, de mon côté, j'ai aucun problème de courant là, avec le groupe. Là, ça marche vraiment super bien. Ok, d'accord. Je passe, je mets la marche forcée là sur le groupe et je reviens là aussitôt. Retour Gilles. Alors, là je suis en mode économique. Voilà. Vous avez entendu le changement de régime. De retour. Oui, Christelle, ok, Rémi est de retour, merci du retour, Francis. Ok, Rémi, je te retourne le micro à toi. Ok, voilà, là j'ai mis mon petit groupe là, électrogène en marche forcée, donc là j'ai un peu plus de jus là côté du groupe. Hein. Est-ce que toi de ton côté tu sens une différence? Ok, d'accord. Alors pour confirmer la chose, je vais le rebasculer en position économique et tu me diras ça après au retour du micro. Retour Gilles. Alors, voilà, je le repasse à nouveau en mode économique. Voilà, ok, ça y est, de retour. Je viens de passer le groupe là en mode économique. Voilà, est-ce que tu as senti une baisse de ton côté ou tu me reçois tout aussi bien? Ok, d'accord. Et alors donc, par rapport à juste avant, là, il n'y a pas de différence. Donc, que je mette le groupe en position économique ou en plein régime, ça change strictement rien de ton côté. Ah là non, au début j'ai commencé en régime économique, puis après, quand je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis plein régime, et là je suis à nouveau redescendu en régime économique. Voilà, c'est pour voir, parce que c'est vrai qu'avec la propague, ça fait toujours des hauts, des bas, on n'est jamais sûr de rien. Donc là c'est vraiment pour confirmer le fait que ça marche bien, qu'il n'y a pas de changement de ton côté, quoi. Ok, bah c'est génial ça. Ok, bah je l'ai bien choisi alors. Non, tu montes à des points à 57 ici, et t'es passé à 44, 45, 55, 57 ici. Thierry, sur le département 12 à toi. Ah, j'ai du mal avec la mise au point aujourd'hui. Pas de plaisir, 59, on s'entend bien, nous, Thierry. La propagande, quand elle donne l'ouverture, c'est bon. Je vais voir sur le côté de Rémi, si toi, Rémi, que tu reçois, Thierry? Non,
pas du tout. Voilà, je reçois absolument pas du tout. Toulouse, je l'ai entendu un peu noyé dans les QRM. Mais autrement, là, non, de ton côté, là, je reçois rien du tout. De son côté, là, je reçois rien du tout. Toi, ah oui, Gilles, je suis en train de faire une petite vidéo en même temps. Voilà, je suis en train de faire en même temps, là, voilà. J'essaie de faire deux choses en même temps, mais ça coince. Ah, chi. Retour, Gilles. Sur mon côté, je fais un petit blanc poursuite du QRZ. Ouais, vas-y, au contraire. Oh là là, j'ai eu à peu près 5 stations. Oui, pour la. Je suis avec Rémi Dundee 33. Oui, ok, je laissais un petit plan pour voir là si y avoir d'autres breaks. Mais hélas, de mon côté, ça passe vraiment pas du tout. Tu es le seul que j'entends, Gilles. Eh, à chaque fois c'est pareil, hein, tu remarqueras. Hein. La Guadeloupe. Oui, enregistré la Guadeloupe. Pierre-Michel, ouf, il y a beaucoup de stations. Je ne sais pas si tu entends ça de ton côté. La Guadeloupe, j'ai entendu aussi. Merci, Rémi. Pierre-Michel, mon ami, en avant. Gilles Sorgatino, t'envoie les bons chiffres à toi. Oui, enregistré, 14 ODR, 2 secondes. Bon, ça fait un petit peu de bruit, mais rien d'extraordinaire. Avant la Guadeloupe.
Ok, merci Gilles. Alors les 213 51 la Guadeloupe de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi sur le sud-ouest France, secteur Saint-Émilion. Voilà, et enregistré aussi le break derrière 14 ODR. J'ai cru reconnaître Daniel. Un moment s'il te plaît Daniel. Retour de micro la Guadeloupe, j'ai énormément de mal de mon côté là à vous sortir. T'es en surmodulation derrière. Bon, c'est pas grave, on se débrouille. Une station 14 ODR, je sais plus quel numéro, Daniel, qui essaie de t'atteindre, de t'avoir en fréquence, Gilles. Retour 14 ODR, trois petits points pour Gilles. Oui, Daniel, tu as énormément de mal à passer là sur le QTH 9.
Oui, Gilles, il n'y a pas de problème. Il est avec nous sur le groupe. Tu verras Daniel, QRZ local, Senteur, 14 ODR. Ben, ça y est, j'ai déjà bouffé son 064, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 064, oui, il me semble. Voilà, il est avec nous là sur le groupe, là sur Facebook. Ouais, Gilles, as-tu eu QSL de Daniel? Ok, d'accord, ouais, ben oui, Daniel, tu passes comme t'es grand, à chi trois coups. Là, il va falloir que ça serait pas mal que t'aies quelques vitamines derrière, car il y a énormément de monde en fréquence. Il y a pas mal de puissance aussi, là, de lancer derrière. Alors forcément, des stations qui ont juste la puissance du poste ont énormément de mal à passer. Et il y a pas mal de QRM, de fanning aussi aujourd'hui, ce qui explique ceci, cela. Ok, Daniel, les 2013-51 à toi, voilà, j'étais sur la vidéo, il n'y a pas de problème, il a fallu que je monte le volume assez haut, mais bon, tu t'entendras. Je vais faire un retour là du côté de Gilles, car moi, de mon côté, j'ai pas mal de QRM, toi, de ton côté, tu entends énormément de monde. En tout cas, je suis content, de mon côté, ça marche super bien pour les expéditions. Hachi, retour Gilles. Ouais, ouais, affirmatif. Voilà, donc, bon, là, je vais pas pouvoir rester plus longtemps en fréquence. J'ai encore pas mal de choses à faire. Et puis, il faut que je me prépare aussi, là, pour le QSO du canal 27, là, que nous faisons, là, tous les vendredis soirs et samedis soirs, à partir de 9h PM, là, ici, là, sur l'ensemble de la France. Donc, je vais te laisser, là, pour pouvoir préparer tout ça. Les bonnes sont 13:51 à toi, Gilles, ainsi qu'à l'ensemble du Québec, des Tanans. Et je te dis à très, très bientôt. En fréquence. Voilà, j'ai de la moustache de mon côté. Canal 27 normal, 27-275. Voilà pour la fréquence, 27-275. Voilà, c'est sur les 40 canaux normaux, là, le canal 27 normal. Voilà, et tous les vendredis soirs et samedis soirs, nous lançons le QSO à l'échelle nationale. Et voilà, à partir de 9h PM. Voilà. Et si tu es des nôtres, si la propague le veut bien, au contraire, ça c'est avec grand plaisir qu'on te comptera parmi nous, Gilles. Et je passe QRT, parce que là, je vais pas y arriver. Hachi trois coups. Les bonnes 73-51, merci pour ce petit contact, et à très bientôt, Gilles. Pas de problème, Rémi. 73-51-200 avec ta permission. Au QRA et au plaisir, mon ami.
Ok, ah oui, petite précision, canal 27 normal, fréquence 27-275, mais vu l'éloignement des stations des uns des autres, comme nous par exemple sur le sud-ouest, on est très éloignés les uns des autres, il y a facilement 50 km et plus, on est forcément en uniforme Sierra Bravo. Voilà, à plus Gilles, et à très bientôt, merci, je fus au plus vite là pour la vidéo. Merci. Eh bien, ça marche super bien tout ça. Pas besoin de plus de puissance, c'est bon, c'est génial, pour moi ça va. Alors, pour l'arrêter, eh bien... Eh bien, voilà. Ça, c'est génial. Voilà, on est fin prêt pour les prochaines expéditions. Et, ouais, au niveau du poids, bon, ben, c'est... voilà, c'est une grosse valise. Voilà, c'est tout. Le vendeur m'a annoncé 29 kilos. Bon, ben voilà, c'est parfait. Comme ça, je pourrais me balader avec ma petite valise sous le bras. Et c'est parti. Merci, à très bientôt sur les ondes.